À la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, le premier ministre polonais vient afficher sa détermination à poursuivre l'embargo sur les céréales ukrainiennes. Nous allons défendre l'agriculteur polonais et ses intérêts, quels que soient les discours que l'on entend à Bruxelles, à Berlin ou à Kiev. Kiev menace de saisir l'Organisation mondiale du commerce, tandis que Varsovie projette de maintenir l'embargo et même de l'étendre au miel ukrainien. Cet apiculteur approuve. Certaines fermes risquent la faillite. On ne peut l'accepter, car pour aider les autres, il faut avant tout être soi-même en bonne santé. L'Ukraine ne peut pas nous demander de nous étrangler pour elle. Incapable d'exporter par la mer Noire à cause des navires russes, l'an dernier, les sociétés ukrainiennes se sont mises à vendre en Pologne. Depuis, les prix ont chuté de 30%, selon Wiesław Green, l'un des leaders de la contestation des fermiers. Cette grange est pleine à craquer de blé qui, aujourd'hui, est juste inutile. On s'est donné beaucoup de mal et on n'a réussi à vendre que 10% de la récolte. Le reste est ici. Mais pour le fermier, un nouvel embargo de 3 mois ne suffira pas. Si on n'augmente pas la capacité de nos ports pour notre propre production, aussi bien que pour la production ukrainienne, on restera coincé dans cette lutte fratricide. À qui chargera quel navire? Et ce n'est pas de cela dont il devrait être question, car au niveau mondial, il n'y a pas d'excédent de céréales. Pour l'heure, les capacités des ports et du rail polonais ne suffisent pas à exporter les produits polonais eux-mêmes. Pour les accroître, le gouvernement a demandé 1 milliard d'euros d'investissement à Bruxelles.